91 solitaires, c'est lundi dimanche de Saint-Balo pour rallier Pointe-à-Pitre lors de la 10e édition de la Route du Rhum. Vous regardez le journal de la voile de Stop News. Bienvenue au bureau. Avec 7 inscrits dans la classe des ultimes, la Transat mythique est celle de toutes les démesures. Petite revue de détail. À 40 ans, et s'il parvient à maîtriser son géant des mers, Yann Guichard est l'un des favoris pour fouler le sol de la Guadeloupe en premier. Mise à l'eau en 2008, Spindrift 2 est le plus grand de tous, avec 40 mètres de long. Thomas Coville, à 46 ans, il repart pour la cinquième fois après une victoire en 1998. Mise à l'eau en mai 2014, son saut des beaux ultime est le plus récent de la flotte. Du côté des modes 70, Yann Eliès fête à 40 ans sa première participation au Rhum. À 45 ans, Sidney Gavigné en est à son deuxième Rhum sur Mussamban, Oman Serl. Et à 39 ans, Sébastien Joss à la barre de Edmond de Rothschild est le plus jeune de la bande des ultimes. Du haut de ses 58 ans, Francis Joyon participe pour la sixième fois sur son fidèle Idex Sport, mis à l'eau en 2007. À 54 ans, Loïc Perron, qui a mis de côté son projet Happy pour remplacer au pied levé Armel Lecléache en bord, embarque pour une septième participation sur Banque Populaire 7, mis à l'eau en 2006. Enfin, quatrième participation de Lionel Lemonchois sur son Maxi 80 Prince de Bretagne, mis à l'eau en 2012. À 54 ans, Lionel a remporté la Route du Rhum deux fois et détient le record de l'épreuve en 7 jours, 17 heures et 19 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.